Jean grand monde dans pays me toujours dit mené coulev la l'école c'est une fait chita c'est deux. Et mais c'est exactement dans kafou ça que nous trouvons avec monsieur coulev sept têtes yo plus deux têtes dans bagouan fait neuf présidents. Peuple haïtien, semaine la go marché pressé dans la coupe d'Haïti. Mais qui pral extrêmement compliqué. Songez. Pas jamais oublier ça. Guy Philippe te dit président Guy Philippe président que peuple a proclamé ya. Il te dit que monsieur a fait forcing. Tout ça que vous fait, celle ça vous doit connaître, il a croisé bab boubab avec résistance peuple là. Son parole que tout monsieur doit kembe. Oui, a fait forcing. Oui, il y a des démarches qu'a fait. Oui, il y a pile tractation. Oui, il y a pile manœuvre. Mais pour le moment, c'est un cas qui est difficile là que monsieur trouve. Moi, je souhaite chaque grand nègre qui a fait politique en d'un pays ça depuis 30 ans, plus passé 30 ans, comprenne et qu'on t'y réserve. Chose pour pays, il y a gagné en pile là-dedans qui pas capable de prendre avion pour aller au Canada, pour aller à la France, pour aller aux États-Unis et même traverser la Dominicanie. Ça veut dire qui ça? Gen pile politicien longtemps. Les combats là qu'on pété, les fin fait mal mouvement malveillant dans pays d'Haïti. Yo glissé quoi yo fond billet d'avion, yo traversé dans l'aéroport dans l'aéroport Maïgatéen pour tomber Miami. Maintenant, gagné qui même en province dans pays yo, yo pas ka mettre pied. Ça veut dire qui ça? C'est seul bord de presse là que volo a arrêté. Et même m'a dit que avec coulev 9 têtes ça qui cachait derrière téléphone. Depuis plus passé 4 semaines, qu'a fait toute qualité manœuvre. Peuple a déclenché une bataille. Yo était là depuis plus passé 32 mois avec Ariel. Yo a pris comme battable, yo a fait dilatoire, yo n'a pouvoir Ariel. Le jour où peuple a décidé lui-même de déclencher une bataille pour tout le monde dans le pays et vrai bataille a lancé avec arrivé Guy Philippe dans le pays d'Haïti. Mon lorsque t'ai dit tout à l'heure m'a passé pour nous. Guy Philippe lance bataille mais n'a décidé eux même pour accaparer bataille peuple là. N'ego décidé pour accaparer bataille peuple là. Ça veut dire qui ça? Depuis longtemps c'est toujours une seule stratégie. Boui cap travail pour cheval galonné. Est-ce que haïtien a accepté lui-même qui fin prend tout mauvais moment ça yo? C'est lui qu'on prend balle là, c'est lui qu'on prend kidnapping là. C'est lui qu'on fait courir quitter la calé boule calia. Et bien il choisit résister. Et le campé d'un leader, il dit la bataille, parce que le coin dans leader, et bien le bataille arrive dans le niveau. Côté qu'elle mette Ariel dehors, et bien ouais, même ne qui t'a côté Ariel yo, il ferme nos chamkay, et puis communauté internationale, entend yo pour bailler au pouvoir. Est-ce que vous même comme peuple, vous croisez des bras pour garder coalition d'assassins qui tape sous ce pays ça? Depuis plus passé 30 années, coalition gang ça, qui pas peur ou pas crainte, qui rentre en dedans caillou président de la République, qui fout le président 9 balles dans le cœur, qui fout les 3 balles dans la tête, et puis on prend Massio, on crase le président, on prend Ratio, on rache le président, on fout madame président 7 balles, jusqu'à maintenant, comme si il y a personne qui te lit parce qu'il y a besoin de patrouiller le patrouiller. Donc on fait toute qualité de crime dans le pays, on rend petit peuple pas à l'école, on crase l'école dans le Port-au-Prince. Et puis, ça qui est plus grave, on jeune petit paillot, à l'étranger. Madame yo, à l'étranger. Tiboubout yo, à l'étranger, dans tout consulat. Y a beauté comme pays. Ou même zan même, kap tande m'la, jodi yo. Ou doit poser tête aux questions. Qui j'en fait là? Pour qui ça ou là? Et pour qui ça ou pas ka sorti? Chaque effort que ou fait, pour être tête dans sa côte ou volant, gon groupe de nèg qui dit qu'on pas sorti. Qui est yo? Yo c'est des haïtiens. Pardon. Yo c'est haïtiens. C'est yo campé devant. C'est yo qui a foutu balle. C'est yo qui dit qu'on pas sorti. Tout effort qu'on fait, qui est-ce qui campe en face ou haïtiens pareil ou? Oui monsieur oligarque yo dit, y a utilisé nous même encore pour faire tuer nous une l'autre. Mais est-ce que nous avons pris un examen directement pour venir vivre le bazou? Non. Est-ce que
nèg là utilise franchement parce que si que pas volonté pour rester avec Poutio là pour venir sur monde pour yo yo pas jeune monde pour faire pour yo nous pas gain crime là c'est parce que en pile policier choisi mettre au service nèg ça yo pour faire crime là pour nèg ça yo qui cause nous revenir état ça dans sens ça m'a dit ou même en tant que frère soit m'cap tande m'cap garder la jodi Haïti trouvé le carrefour côté que les soudes pour une guerre civile bien sûr les soudes pour gagner une guerre civile et qui capable déboucher sur un véritable génocide n'a pas cherché un Rwanda dans le pays d'Haïti parce que pas oublier monsieur oligarque qui te dit il y a bataille pour réduire la population haïtienne pour capable gon pays à éclairer même Saint-Domingue parce que estimer que terre ça pas mérité nous. Yo de foot nous de yon ça, mais comme yon pa ka mette de yon de force, mais yon pas assassiné nous, tout vivant sous ça. Yon foot nous, poison. Yon pa nous manger, qui genye poison, qui yon konne Dieu de vie nous. Yon pa nous sang, qui genye sida, et yon fait ressortir la Dominicani. Et c'est yon encore, qui pote médicament dans le pays, c'est yon qui mette yon laboratoire qui pote du médicament en Dominicani, seulement pour Haïtien. Ça veut dire que yon même, yon konne qui mange yon baou, yo konn ki médicament y a baou, yo konn ki sang y a baou, yo konn ki jab géo. Dans sens ça m'a dit ou même en tant que jeune garçon. Captain de moi, cap garder la jodi a. Destin Haïti la même. Destin Haïti la même. Destin Haïti nan même moun cap ki ba koto la cap tande cap garder tout. Destin Haïti nan même moun ki va prendre temps pour comprendre réalité a. Destin Haïti nan même nous tout. Surtout nous c'est pays qui a une population qui est jeune alors sous la terre. Presque 78% jeunesse noire. L'in bas alors population noire, l'in bas 30 ans. Ça veut dire qui ça? Nous qui population qui est jeune sous la terre. De fait, la jeunesse t'a doué aventurer, porter bourré, réfléchir pour regarder comment nous t'avons mettre pays ça sur l'autre rail. Mais pour nous faire, faut ne pas peur mourir. Parce que pas oublier ancien ou pa tenter tout yo. Nous doué organiser ou pour aider tout sorti dans ça. Haïti compte sou. Haïti compte sou moi. Parce que nous c'est petit. Moi engagement pas m'lan, m'prend déjà. Ou même qui sont décidé fait. Qui sont décidé fait, ou croiser bras ou continuer je domino, ça pas regarder moi. Ou continuer je katou, ça pas regarder moi. Ou continuer prendre plaisir ou gougou. Ou dormir jodi, lever demain, prendre plaisir fumer, ça pas regarder moi. Et puis après coup le fait 40 ans ou pas dit pays pas au fond salope sale ou pas j'aime prendre engagement pays ou son pays qui en difficulté seulement pour le sortir c'est eux même qui prend engagement la dominicanité mal en pile mais de fait les dominicains t'es organisé yo alors t'es organisé yo surtout pour leader dominicain yo yo t'es metté différence de côté yo t'es fait ça nous le dépassement de soir yo t'es ouais la dominicanité tout d'abord yo t'es chez nous en tête. Puis on t'a retiré la Dominicanie dans la situation difficile qu'elle t'a connue en 1990, 91, 92, 93, 94, Yoshita. Et problème dans résoudre. 2024, la Dominicanie a psigé adelante. Nous-mêmes, 1986, nous voyons Jean-Claude Duvalier aller. Depuis là, nous prenons Haïti qui t'a monté, nous descendons et nous fouillons l'abîme pour nous mettre. Nous méchants pile et c'est politiciens haïtiens qui font détruire Haïti. C'est ça qu'elle dit, qu'elle y est. Parce que principe, si on ne pas bail, de yon pas fouti prend. Et logique, c'est clair. Nous devons prendre engagement, nous devons prendre s'habiter nous face avec ça qui est là comme situation. Qui se va gagner pour le moment? Eh bien, je ne te dis où? Haïtien manque prendre responsabilité dans le dernier temps. Mais par conséquent, dans le principe, c'est une réalité que nous pas capable de parler de lui. On a pensé garder comment d'avoir une stratégie pour nous plus ou moins créer moyen pour mon yot va sortir. Mes amis, attendez. Qui ça que monsieur yon fait dans Port-au-Prince? Monsieur organisé yo, yon décide que population civile n'a pas pris la rue. Comment yon décide pour population pas pris la rue? Monsieur, wow, c'est grave, oui. N'a yon mette blende, pi Badelma 5, quel que soit moun, nan population, quel se femme, quel te garçon, de pour ap sorti, dans Badelma, on va monter comme si tu as dit, on va sortir en 2018 pour monter à l'aéroport. Depuis que la croix avant, on met là-dedans, l'alphysio ou pas, ou pas jeune encore.
et yo fait pour fille, yo fait pour garçon. Yo fait route nazon. Quel que soit jeune garçon, yo ta jeune cap sorti dans zone Solino, yo prend ou. Yo met ton dans blender ya, y a le physio. Fami ou pa jam tande ou encore. Et mais ça, son sorte de pression, intimidation pour que moun nan quartier populaire yo pas prend la oui parce que pa blier. Appelle nous un commandant Guy Philippe Tefer. Kote ke l te mande population civile là pour que yo prend la oui. Kote ke l te mande nèg armé yo ki kontrole on se de quartier yo. Facilite population sorti. Mete bouj zam nou an te pour peuple capable sorti pour la revendiquer ça que vle. Et mes peuple nan quartier populaire yo, c'est pas vle ou pas vle sorti. Yo manifeste volonté pour yo sorti. Pas oublier. C'est char qui croise les yo qui va le fizier yo. Qu'est-ce qui nan char? Haïtien. Policier haïtien. Qu'est-ce qui mette yo? Stratégie sa moun ki mette l, c'est Vladimir Paraison. C'est monsieur qui développe stratégie sa et li ba le résultat. Parce que monsieur estime que quartier qui pi sauvage yo, c'est quartier ghetto yo, quartier populaire yo. Et si quartier ça ou prend la rue, si de soleil ta prend la rue, pour le dire la prend direction chez de masse. Delma de prend la rue, la saline prend la rue, pour dire la prend direction chez de masse. Et Canaran, Bidboy et Chada, ta va prend la rue, pour dire la prend direction chez de masse. Village de Dieu Granvine, Tibois, Kafou, ta monté, pour dire la prend direction chez de masse. Le ça, ça que te passé dans le pays Sri Lanka, ça que te passé dans le pays Sri Lanka, côté que population, te senti que le saturé avec gouvernement, la présidence et gouvernement et la primature. Et bien, peuple a décidé, yo envahi par le national, yo baigné dans piscine, yo mangé, yo boué, yo valé tafia, yo prend plaisir, même gros kachouboum, kachoumbo, même gros cigare qui te gandan, peuple a prend li fumé. Peuple a baigné, li dormi dans chambre et qui te gagne dans palais. Li prend plaisir et puis il pas crasé, li pas brisé. Sauf que yo ben dans piscine, peuple te soif bien, moun yo te ben dans pays Sri Lanka. Moun yo prend plaisir dans pays Sri Lanka et puis à partir de même moment, pas gen gouvernement encore, pas gen l'état encore et puis yo choisi mais qui est yo mette comme dirigeant yo. Dans pays d'Haïti, nous même en tant que haïtien, même Jean peuple Sri Lanka te fèl, nous même tout nous capable fèl. La police pas ka touye nous tout. Et si yo décide touye en pile dans nous, yo même tout, yo pa existe encore parce que définitivement, yo pa ka gagne bataille là. Ma bande population civile, même ça qui t'est passé dans pays Sri Lanka. Côté que population civile là, t'es pris la rue par million. Yo t'es envahi par le national. Yo t'es pris la rue par million. Yo t'es envahi la primature, côté qui premier ministre là. Yo t'es pris la rue par million. Y a cherché tout ministère. Mais tout ministère obligé pété courir, ça sorti notre pressé remettre démission yo. Pour que violence physique là pas fait sur eux. Et bien dans ce sens, ça m'a dit que pour pays d'Haïti, nous avons seul bagaille pour nous faire, c'est arriver dans le palais national. Quel que soit le prix à payer, c'est organiser une arriver dans le palais national. Tu as un couple qui a manigancé depuis avant hier. Je te prévois matin pour couler cette tête là pour direction palais national. Parce que Vladimir Paraison, avec l'équipe Bois Vert, et puis citoyen qui est dans le palais national, je te paye mairie Port-au-Prince. Pour mairie Port-au-Prince commencer à préparer, nettoyer chat basse là. Parce que la communauté internationale mette pression sur Negio, yon façon pour que Negio ta va faire sa affaire le plus vite que possible. Parce que pas oublier, secrétaire d'État américain te dit un bagaille à travers un tweet. Malheureusement, Haïtien pas fait travail li. Et en plus de ça tout, médias traditionnels bec feriste avec l'un, yon même tout, yon fait comme si yon pas ouais, parce que le pas joue en faveur yon. Monsieur Anthony Blinken te fait un tweet pour le dire. C'est seul peuple haïtien qui est capable. C'est seul peuple haïtien qui t'a tout. C'est seul peuple haïtien tout qui t'a doué déterminer propre avenir. Personne l'autre monde pas t'a doué faire ça. Personne l'autre monde pas t'a doué faire ça. Mais il dit, nous tous qui là, alors, CARICOM, États-Unis, avec l'autre partenaire, nous capables d'aider. Frère avec ça, je toujours prends pour me répéter pour nous. Gros dirigeant américain, nous rencontre CARICOM sur Haïti, monsieur dit comme ça que c'est seul peuple haïtien qui est capable. Ça veut dire qui ça? En tant que démocrate, lui connaît le droit de respecter la voix du peuple.
partager mission pour nous. En tant que démocrate américain, li konnen gen obligation pour respecter la voix du peuple, voix majorité. Monsieur répété pour dire que c'est seul peuple haïtien qui est capable. C'est seul peuple haïtien tout qui t'a doué déterminer propre avenir. Et y attendez. Et puis il dit personne l'autre monde. Personne l'autre pas ta doué fèl. Personne l'autre pas ta doué fèl. Ça veut dire reconnaître que de pour quitter espace pour faire bagay, y a fèl. Il dit nous tout qui là CARICOM USA avec l'autre partenaire yo nous capable aider. Nous capable aider. Maintenant cherchez comprendre. C'est seul peuple haïtien qui capable de reconnaître ça. C'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir li. Li reconnaître ça. Et puis il dit personne l'autre pas ta doué fèl. Ça le dit. Li dit ou même en tant que peuple. C'est seul ou même qui a fait choix ou. Ça veut dire qui ça? L'on fait choix de Guy Philippe, ou fait bon choix et ou campé derrière elle. Et ou doit continuer campé derrière elle. Deuxième bagage qu'elle dit, c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir li. Qui t'a doué déterminer propre avenir. Ça veut dire qui ça? Sou pa fèl, y a fond bagay pour quand même. Y a pas jamais quitté l'autre monde vin fèl. Et c'est ça oui qui fait me dit nous. Exemple pays et ça qui t'est passé dans pays Sri Lanka je crois en 2022. En 2022. Ça qui t'est passé dans pays Sri Lanka. OK? Ça qui t'est passé dans pays Sri Lanka. C'est seul peuple haïtien qui est capable. C'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir. Personne l'autre pas ta fait pas ta doué fait. Mais nous tout qui là CARICOM États-Unis nous capable aider. Ça veut dire qui ça? Forcing nous est cap fait dans pays d'Haïti ou même comme peuple, c'est seul ou même qui ca empêcher le passé. Alors passer. Monsieur ou qui caché dans chambre d'hôtel là, c'est parce que vous connait pas d'accord. Sinon, il t'a vu une couteau déjà, il t'a fait déjà, mais ouais que yo pas d'accord. Mais comme il était toujours pas respecté ou comme peuple, parce que si on te respecte ou pendant 38 l'année yo, il va traîner pays ou là, il va mettre dans état ça, c'est parce que il va respecter la vie ou, il va respecter droit ou comme moun. Yo pa reconnaître droit ou. Yo décider fermer dans chambre d'hôtel pour dire mais qui décision qui a prend nan non sans que yo pa mande ou avis ou et l'on exprime ou publiquement ou dit qu'on pas d'accord ou est aussi gay adelante pired. Maintenant, yo décide font dernière violence sou comme peuple. Yo décide font dernière violence sou comme peuple. Comment on va répondre? La violence engendre la violence. La violence stoppe pas la violence. Ah oui. Parce que l'on passe pas dialogue pour stopper la violence, quelque part, il fait violence sous. Et exemple très clair, pratique qui fait sous Jovenel Moïse. Le gars fait violence physique dans le pays, Jovenel Moïse a prôné dialogue. Là où est que Jovenel Moïse pas voulu, il n'est pas capable de jeter Jovenel, il a décidé à faire violence physique sous le cap de dialogue. Il a assassiné le président. Il a humilié le président. Il a fout le président 9 balles dans le cœur. Yo fout li 3 balles dans tête, yo crasé président, yo maspiné président, yo pas respecté droit, yo pas respecté la vie, yo détruit et puis yo campé souterrain 33 mois après, c'est yo qui décide pour mettre dirigeant pour vous, sans que ou même ou pas bailler avec vous. Ça veut dire qui ça? Sur l'autre forme de violence qui n'a augmenté sous vous même comme peuple. Mais yo fait parce que yo gagné, yo ti frange de communauté internationale qui a supporté yo par n'importe qui moyen dans pays d'Haïti. Dans ce sens ça, ou doit organiser pour foutre monsieur en violence sauvage pour que ou capable prendre contrôle situation parlant comme peuple et nous pas capable de descendre plus bas que ça. N'est-ce que décide de faire violence ou même ou doit organiser ou pour faire une violence extrême pour solutionner problème non définitivement parce que nous pas capable quitter nous c'est des voyous vagabonds criminels sans cœur sans foi ni loi décide à finir avec un pays nos conditions pareilles on va quitter un seul des monde qui parait mes peuples à détruire jeunesse nos conditions pareilles c'est pas possible petit yo à l'étranger à pour recevoir bon pain de l'instruction. OK, petit tout à l'étranger,
après c'est voir bon gens l'éducation. Mais ou même petit Paulin, il a préparé pour faire doctorat dans boule caoutchouc même j'avais papal. Attention, les haïtiens comprennent la réalité qui est là. Attention, monsieur a préparé une génération pour ces illettrés bêtes sauvages seulement qui pour la dans 25 ans qui pour venir. Parce que pas oublier, si moun sa qui a 5 ans aujourd'hui, qui pas à l'école là, dans 20 ans encore, c'est bête sauvage qui l'a pied, la pire que Iso, la pire que la Monsanto qui l'a pris. Attention, ces politiciens qui ont exécuté plan ça pour monsieur Oligakyo, est-ce qu'on a quitté le passé comme peuple? Attention, dans ce sens, moi je dis que, au niveau de vivre avec bataille, je suis capable, pas tolérant encore. Je suis capable, pas accepter n'importe bagarre encore. Parce que, moi je dis, route que monsieur prend avec nous là, son violence extrême qu'il a fait. Oui, Guy Philippe prône une révolution pour libération du pays d'Haïti, une révolution pacifique. Que nous, comme Haïtiens, nous acceptons parce que c'est le leader nous, nous faisons confiance pour nous suivre route la mener nous. Et nous croyons aller. Mais si toutefois, monsieur décide de faire violence à niveau ça sous nous, quelque part, nous ne sommes pas capables de nous croiser nous, pour nous garder de criminels, de voyous, de sans cœur qui sont capables de détruire un peuple de conditions pareilles. Nous ne sommes pas continuer. Nous pouvons parler de Kishoy, de couleur cette tête-là, mais par conséquent, gagner et Rosemont Jean qui fait un petit parler, nous pouvons faire d'elle, gagner tout. Nèg zamnan, nèg 11 familles qui est le Jean Rebel de Sénat, monsieur parle tout. Nous pral tande ça, monsieur dit. Parce que y a un pile monde qui dit, monsieur, bah, on t'il ancien. Eh bien, nous pral tande ça, monsieur dit. Mais entre temps, avant qu'on aille plus loin, mon regardé sur l'écran, c'est Guy Philippe 2004 là. Je voulais dire nous ça. Mon regardé sur l'écran, c'est Guy Philippe 2004 là. Mais c'est Guy Philippe ça, qui te fout Aristide Deyon dans le pays. Est-ce que nous la peuple haïtien? Mon n'a pas gardé sur écran, c'est Guy Philippe 2004 là. Et c'est Guy Philippe ça qui met qui te met Aristide Deyon dans pays là. Lavalas. Et m'a dit nous, même j'aime te dire hier qui était 16 avril 2024 là. Si monsieur yo décidé pour que yo passe par la force. Sans qu'il n'y ait pas une volonté peuple là. Pour y aller forcer, mettre au couleuvre cette tête plus deux têtes dans le palais national. Si c'est costume ça, pour que le général la mette sous lui, peuple haïtien camp avec pour nous mettre, pour nous faire une vraie révolution sanglante, pour nous finir avec le système ça, par la violence. Bonjour. Bonsoir tout le monde qui a attendu nous, qui a regardé nous là. Jeudi, c'est mardi 17 avril 2024. Moi content pour que moi ensemble avec nous sur plateforme Maman Pemba, plateforme Pay Potéan, plateforme qui pas peur chaillan, plateforme qui a dit le jeune, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit que c'est avec bataille ça que n'a mené là et que n'a capable mener pays côté pour capable mener là et n'a sauver pays. Partagez pour nous, commentez, like, abonnez si vous pouvez abonner. C'est extrêmement important pour que nous partager, commenter, like et puis presser abonner avec plateforme nan. Voilà, nous pral rentrer dans déclaration dans intervention que Rosemont Jean responsable et yon structure politique qui relé Founod et organisé alors participer dans émission. Nous pral font dans de Rosemont Jean et puis par la suite alors n'a salé tel fort monsieur ça font bel travail. C'est des jeunes garçons même j'avais nous, génération pas nous. Et surtout pour Telfort qui a fait un bel travail. Donc salut Telfort de radio et télé éclair et dans le pays d'Haïti. Je ne sais pas facile. En entendant naturellement et heureusement Jean peuple haïtien. Ou ça capable avancer puisque là son acteur a frappé sur le terrain ou sous béton dans manifestation ou exposition. Je dis à par rapport à Jean situation hier qui janouyé qui ça qu'on pensait côté au campé. Côté me camper, c'est même côté depuis au commencement et ma prête là jusqu'à la victoire finale. Et on marche dans la bataille par les doubles de la guerre. Il y a des manœuvres, il y a des batailles d'opinion, monsieur a fait. C'est juste qu'il est capable de gagner l'opinion. Okay. Mais moi, bon, garantie, et
son bataille qui fait démarrer. Terre Forte, son bataille qui fait démarrer. Son bataille qui fait démarrer? Son bataille qui fait démarrer. Nous pas bouqués, nous pas fatigués, c'est pour Haïti n'a pas goûté. Et ça me besoin, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, émission, micro-vérité, comprendre. Mm-hmm. Si action qu'a mené là, si Conseil crée que les États-Unis, la France, le Canada, la CARICOM, le Métikapéa, si l'intérêt dans l'intérêt pays, ou pas ta jeune américain la donne, ou pas ta jeune la France la donne, ou pas ta jeune la ou pas ta jeune de trois pays en de communauté internationale la donne. D'ailleurs, c'est pas pays ça ou zami nous. Yo pas zami nous vrai. C'est un projet que monsieur gagné, il a pas ajusté, il a pas avancé au fur et à mesure dans plan que yo gagné. OK. Cependant, ça qui étonne nous, ça qui fait nous mal, c'est là nous garder, c'est des soi-disant petits qui mettent ensemble à Kluga ou de York. Et alors, heureusement, Jean, ensemble avec nous, pardon, et pour intervention, non, et micro, vérité. Et puis, cap manger tout le monde dans la caille. Ah, mélanger okay. Avec Kluga ou de York? C'est mélanger avec Kluga ou de York. Ça veut dire, ça va passer là, mais comment vous prenez? C'est comme si nous gagnons. Yon petit non kay, li wè sa papa le possédé, li wè papa a fait confiance, li wè kote papa a servi l'argent, li même li pa ka pren, parce que s'il prenne l'argent trop nan men, y a pendu le côté de l'année, la de gang de yon vin pren, et puis gang a séparé la vel. C'est vrai. C'est ça même papa, même papa, oui. Oui, c'est ça qui a passé là. Ça veut dire, c'est pas petit pays, je dis, qui mette ensemble, avec la communauté, avec la communauté internationale, avec trois pays occidentaux, avec CARICOM, pour planifier à tout prix un génocide en Haïti. Planifier un génocide? En Haïti. Ah bon? C'est clair. Okay? C'est clair, c'est vérité. C'est exactement. Communauté, pardon, pas vous dire encore communauté internationale, parce que lors de la communauté internationale, ils ont sens, ils ont significatif. Mais là, vous gagnez trois cousins qui mettent ensemble pour venger nous parce que nous t'es battu dans yo. Ah bon? Mais ça qui grave là, c'est pas étranger utilisé, c'est nous-mêmes encore. Petit pays. Bon, c'est nous-mêmes encore. C'est nous-mêmes encore qui fait fait. Les gars décaissent l'argent. Alors, pendant tout le temps, nous avons souffert là. Pendant tout le temps, Amérique a fait interférer. Amérique a mis le groupe. Amérique a mis le ministre. Il met l'Elem la libre. Il met ceci, il met cela. Il n'y a jamais de nécessité pour renforcer la police. Il n'y a jamais de nécessité pour une coopération militaire. Jovenel Moïse a demandé, il a invoqué la loi américaine. La loi américaine ne permet pas les États-Unis encadrer la médaille d'Haïti, ni bailler la médaille d'Haïti, ni vendre la médaille d'Haïti. Qui est l'amendement de la loi américaine en fait? Qui fait aujourd'hui à vous être intéressé? Ah oui. Ah donc, il faut regarder. Je ne pas dire que c'est conjoncture politique là qui ne permet que vous supportez la médaille, qui ne pas permettre de vendre la médaille de l'Isam. Heureusement, Jean. Oui, il a invoqué la loi américaine. Heureusement, Jean. Oui. Bon, et en nous garder ça, nous là, nous voyons que, mais c'est vrai, tu as un peu de retard, mais nous sentons que CPA est prêt pour l'installer. Et si on regarde les conjonctures là, comment ça y est, je dis à la. Nous, monsieur, on va avancer. Vérité à la nous-mêmes, tout bon côté porte. Alors, oui. Comment? Écris ça. Pourquoi? Sorti. Il n'y a pas installé demain, Jean-Rodoulia. Ah, il n'y a pas installé demain. Non, il n'y a pas installé demain. Mais l'essentiel, où est-ce que tu as installation? C'est pas le premier rendez-vous, Yabbaï. C'est pas le premier rendez-vous, Yabbaï. Oui, ok, pas de problème. Mais seulement, nous, ouais, avancement. Qu'on a sans besoin qu'on est. Bon côté pas nous. Qui ça qui empêche nous avancer? Bah, bon côté monsieur, ouais, pas avancer. Qui ça qui empêche nous avancer pour nous arriver installer nous-mêmes? Bah, nous qui conseil pas nous. Qui ça qui empêche ça aux gens? Obstacle là, il parle l'autre bagay. C'est parce que nous pas gagne des institutions nationaux. Nous pas gagne des institutions côté nous gagne des patriotes, des nationalistes. Comment expliquer ça? C'est la police.
qui prend qui quitte le pays en otage pour la communauté internationale. C'est vrai. Mm-hmm. C'est clair. C'est la police à travers Franck Felbe, Vladimir Parizon, Netsayo, ils ont décidé à tout prix pour satisfaire l'ambassade américaine. Eh bien, ils ont voulu si pour Guy Philippe pas installé, faut que c'est sous 100. Est-ce que prend pouvoir sous 100 qu'à résoudre le problème que nous avons là? Jamais. Non, d'accord. C'est ça qui a résolu le problème qu'il a, c'est l'armée d'Haïti, c'est la police, mais qui ensemble participer à nos complots positifs pour le pays. L'autre pays, quand on voit des références, on prend Somalie, Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré, c'est que l'institution pays a rentré nos complots pour retirer le pays en bas de la France. Niger, qui fait l'armée, général Niger qui a fait coup d'état, je dis à la peine de pays, c'est parce que l'institution l'armée a décidé pour mettre main au profit pays. Alors que je dis à nouveau l'armée d'Haïti, qui prend en otage par Aristide à travers le général là, par système dans tout, ou prend Franck Felbe nous tout compte côté le sorti, ou compte pour qui ça le mettait par exemple. Pas oublier les Parisiens qui ont été premiers à l'église de courir, plaque d'honneur pour Ariel Henry pendant ce temps. Il était très très proche de Jovenel Moïse. Alors que le premier monde qui a Ariel Henry plaque d'honneur lui-même. C'est vrai. Je dis à Negoti, c'est blanc, il veut faire plaisir, mais il ne peut pas faire payer à plaisir. Jovenel Le Sage, la valasse liée. La valasse. Oui. Jovenel Le Sage, notre ami. Ah, la valasse liée. Oui. Ça quoi dit Lavalas là? Oh, Bambo. Actuellement, jusqu'à présent, Madame Lesage travaille avec Aristide Aristide. Madame Li? Madame le général Lesage. Oh, après avec Aristide, vous faites ça? Après avec jusqu'à présent avec Aristide. Micro, vérité. Na guitage. Son général lui, qu'on est en sérieux. L'autre dit travail, la caille là. Non. M'a parlé non seulement t'es d'accord vous suivez participer dans complot contre la mère et c'est on regarde la mère qui deux nèg la donne c'est deux nèg la donne qui cocobe la mère et tout des nèg ça ont été des démêlés avec la mère ministre de défense ministre de défense et non Joseph lorsqu'elle était ministre fonction publique que la mère t'a passé mes sous lui je dis à qui ministre de défense qu'a vengé la mère. Les dit le pape mette minote dans mes l'armée pour arrêter l'encore. Qui bloquait toute sa l'armée à table fait. Et c'est ça que vous regardez, l'armée inefficace parce que tout ancien militaire d'emblée qui a servi le pays, ni le stage, ni Joseph, vous mettez M. Sarah en quarantaine malgré qu'il a touché l'argent dans nos yeux. Ok? Madame colonel général le stage qui c'est général des forces armées d'Haïti là bah qu'on a qui dans qui poste dans qui ça mais jusqu'à présent chaque après-midi ou bien chaque fois il faut aller chercher madame Nika ici. Et alors c'est Rosemont Jean, voilà, c'est Rosemont Jean qui dans micro la presse en ligne, alors la presse éditionnelle de la pays d'Haïti, qui a senti pas mal. Bon, ça a été gros, on va parler là. Mais, t'as l'air, oui. Bon, ensemble de moun, yon recruté, moun yon la pendant ma parole avec, entre dans la mea, c'est Enol Joseph avec Aristide qui a mette moun yon. Et ça va pas. La mea quoi, ça? Dans la mea. Et c'est ça qu'il faut regarder. Près de 700, près de 500, à 800 militaires te mandé. Ariel Henry mande mission ba yo mandat ba yo l'ordre yo même yo carré établi la paix dans pays là. Et bien peut-être ça était ba instruction pour ne pas jamais mettre encore dans le quartier général. Ah bon?
Et là, pour recruter, monsieur, ministère de finances déjà, yo déjà mette sous budget. Yo prend l'argent, yo fait nèg yo quitter travail, yo fait nèg yo quitter côté de sécurité, yo fait nèg yo perdre ensemble davantage, fait nèg yo fermer dans Akaona, et puis là, yo sorti parce que yo te gagne Joseph, ni le sage, ni. Monsieur ça qui est le Joseph là te gagne des mêlés avec eux, lui refuser monsieur militaire ça yo enfin ça yo prend charge pour rétablir l'ordre et c'est ça qu'on gagne l'armée ou gagne l'armée cocobé ça ou gagne là. Maintenant je dis à c'est là nous dans réalité politique là c'est certain ça fait d'abord important alors position pour la vous exprimer li, nous avec au matin pour ça et Vladimir se dit ou li là gain go avancé qu'a fait c'est le constat général nous tout a regardé bon côté conseil présidentiel là installation c'est pour très bientôt gain monde qui parle pour demain dans l'après-midi c'est prévu à moins que tu a gain petit changement tu a avoué pour jeudi donc nous même bon côté pas nous sous béton nous tout côté ça fait longtemps la bataille qui ça va là hier et si ça arrive fait position nous c'est pour qui ça en clair mais ça va galère Alors, maintenant, il y a une force installée sous armes après qu'il y ait une répression. Moi, je dis que c'est bien côté mal calculé. Il n'y a pas d'époque sans quoi. Dans notre époque, c'est vrai, moi-même, je peux utiliser la non-violence pour mener la bataille. C'est la violence, c'est la bataille, violence, son violence, qui chita sous, de façon méthodique, sous des preuves, avec des lématisons, on a dit qu'à penser me faire violence sur lui. Non, c'est soit faire et puis me venir avec des éléments. On dit, mais, les gars, t'es dit, depuis on a gagné des mêlés avec la justice, il n'y a pas qu'à faire partie du conseil présidentiel là. Mm-hmm. Ça veut dire que le conseil a décrié avant même d'y installer. Exactement. Et nous allons combattre. Nous parlons si on peut installer le conseil créé là, bon, clair pour vous comprendre. C'est comme si nous avons petit, il a forcé faire ses aïennes pour le faire. Si on force le fait, maman a mouru, petite la mouru. Maman a mouru, petite la mouru? Rescrit ça m'dou là. Ou son j'aime dédié Ariel ou bagaille, nous pas de quoi, nous te pensez le petit, dédié Ariel, sont pas gentils envers les paysans. Pays appelé vont mater la très méchant vers vous-même. Est-ce que vous songez ça? Oui, c'est un ami qu'on nous dit ça. Et là, on dit ça. Eh bien, des îles battent vers Guy Philippe. En réalité, ils vont côté. Si Galtement t'es fini dans l'avion en amenant les oui, c'est pas jamais. Pour tout le côté, t'es fait grâce. Vous connaissez tomber, t'as pas tombé dans la main. Gazavion de Mangue Vini. Ah, si Gazavion de fini, parce qu'il n'y a pas de côté pour le descendre. Ou est-ce qu'il y a qui s'est réalisé? S'il était gentil, il était prend décision pour te constater, il n'est pas capable. Donc, matin, c'est que Oudi, pour nous venir là, si on force. Si la communauté internationale, là, pas étendue la raison. Je parle les États-Unis, la France, la CARICOM. Et puis, nègre. Qui vient de demeurer avec la justice, qui fait partie du conseil ça. Si on pas prend, si on pas ramener tête à la raison, antécédent, vous voulez créer dans le pays, si on persiste là-dedans, esprit pays, cosmos pays, petit pays, haïtien de pays, haïtien conséquent à vous quand on quitte son pays, moun qui compte qui sa dessaline te passe, pour te capable ba nous pour te sa plus passer 200 ans d'indépendance. Nous pas gen ti problème, nous pas gen problème. Pas gen pays pas gen problème. Cependant, yo pas joie souveraineté pays ya. Jodi a les États-Unis a fourni Ukraine tout moyen sa yo pour battre avec la Russie, soit dit pour territoire ak indépendance pour grand monde. Et puis jodi a pour les États-Unis, pour nous-mêmes, nous prend pays ya pour porter pour 7 nèg, pour 9 nèg, prend pays ya, porter ba étranger. Après 3-4 mois, nous ne pouvons pas évaluer les dégâts actionnés qui peuvent mener là sous le pays. Et il peut y avoir des conséquences sur moi, sous petit point, sur nous tous. C'est gros, on ne va pas annoncer là où il y a des gens là et sortir là, oui. Nous avons campé, nous avons fait résistance jusqu'à dernier bout de sang nous avec eux. Nous ne pouvons pas courir pour eux. Nous ne pouvons pas mourir pour eux. C'est pour Haïti qui nous avons fait. Nous devons Haïti ça. Nous devons payer à ça. Et c'est la Bible même qui dit
C'est pour côté oui, côté métro là. C'est pour travail pour côté à bien. Bon, parce que si le bon la bon pour tout. Ma mise en douce sur la caille. C'est malédiction au pays qui est l'autre pays vient occuper. En tout cas, nous gain l'armée. Nous gain l'armée là, notre armée là qui a renforcé. Nous gain la police, nous gain ça puis que si tu pour rétablir notre sécurité dans le pays là, nous gain mener le pays à nos occupations, c'est pour nous assumer conséquences et conséquences pour le fatal pour eux. Conséquences pour le fatal, petite là mourir, maman mourir dans césarienne là. Dans césarienne là. Merci Rosemont Jean. C'est pour faire césarienne là, il a perdu ni petite là ni maman. Merci Rosemont. Voilà, justement c'était Rosemont Jean de Faux Nord d'Haïti qui tapait et intervenait dans le micro. Jeune et journaliste ça. Et voilà, heureusement, j'ai fait des gros déclarations. Effectivement, et marché pressé nèg yo, hein, c'est que yo dou croiser avec résistance peuple parce que pa bliye nèg yo décide faire violence. Yon c'est des moun ki pa ka prend la rue ya, ki pa gen 3 moun derrière yo, mais c'est yo qui décide pour cacher des téléphone pour communauté internationale mette yo comme dirigeant pays d'Haïti. Et c'est grave. L'elle décide fait comme ça sous forme de violence que lié. Et surtout, c'est nous-mêmes qui mettons Haïti là, mais c'est nous qui décidons encore pour nous continuer à diriger le pays. Et mais système, ça, messieurs. Tu as un problème. Mais messieurs, qui nous tuent, tout le monde nous finit. Qui nous tuent, tout le monde nous finit dans le pays. Pour pas que trois personnes qui étaient dans le pays encore. Et je demande à Haïtiens prendre engagement. Haïtiens prennent responsabilité. Haïti a sorti. Et pas n'importe qui moyen, l'a sorti. Elle doit sortir. Mon n'a sur l'écran, c'est Guy Philippe 2004. Je voulais donc faire un petit bagage pour mon espace commentaire là parce que nous mettons photo ça là parce que vous devez garder l'idée là. Ok? Guy Philippe 2004 là. 2004. 20 ans de cela. Guy Philippe 2004 là. Partagez pour nous. Guy Philippe 2004 là. 20 ans de cela. Ça pour comprendre, on va comprendre. Voilà. Gagné et citoyen ça qui est les gens rebelles de Sénat. Monsieur Fontier est venu sur le dossier Chita parle avec gang. Là. Plus de détails. En autant de Dorsena, qui t'a peut-être venu dans le micro, et on la presse, dans les médias traditionnels Haïti. Et Jean-Rebel Dorsena, en autant de déclaration, monsieur fait, parce que je suis toujours accusé, monsieur, comme n'est qu'à protéger 11 familles qui n'ont 20 âmes en dedans pays. Et parce que sous protéger criminel, c'est que la vie moun kap mouri yo, la vie peuple la kap détruit pa veli di rien pou. An nou tande do sena. Kouchwa ba m plein droit. Ah non, an pose le nom. Ovanes m pa pok. Et kouchwa ba m plein droit m fè yo, mais quand même m'a bon ti point tout petit. Bon mon ti bay. Comment t'as fait din nan pays d'Haïti, son égoutial. Quel que soit mounouye ou subi de assaut, monsieur Sal. Comment t'as fait, dis-moi, fond bagay, quel que soit son frère, ou pas tenir compte de Radio Omega. Non, 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 façon yoye a yo même. Ou gen trois bagay ou ka faire. Ou ka arrêter, ou ka éliminer, ou ka négocier avec Jean, ou ka négocier avec. Ou n'y a ou même moi fait choix. Dans le moment où il y a, vous regardez, est-ce que vous avez force assez ou vous avez est-ce que vous avez assez et pour camper en face? La paix par les prix dans le monde. La paix, c'est sacrifice lié. Sacrifice. On joue le jeu. C'est et vrai. Même si on a un grand goût manger, et c'est ça que vous mettez force légale pour combattre force illégale. On y a souvent souvent les gourmets, pas gourmets, mais souvent pas gourmets. Bon, j'en veux pas laver. Mais moi-même, mon cap touché pour ça, mon société, y a pas taxe société. Dis ça à fait depuis 29 février. Tout le monde dans le pays d'Haïti a vu un moment difficile. Tout le monde, quel que soit mon nom. Longtemps, où t'es qu'on a marché sous fatra, sous tifarol, il en a eu, mon qui dans le monde qui n'a pas été pour venir reprendre sa crédit de parole. Dans le 21e siècle, il y a chassé, Kaplan l'a eu toujours. Je ne vous dis pas, Romanes, il a marché. Sous cadavre. Tout rigole sans. Tout le côté météo, c'est ça. Quel que soit, vous lancez des privés, vous lancez des marchands, vous lancez des populaires. Nous ne pouvons pas aider tout. CNDD n'a pas aidé.
Pendant que c'est NDDR même qui te dit qu'il y a 11 familles qui ont baissé ZAM dans le pays, c'est ZAM ça a eu qui a tout le monde. Nous pas aider. Si nous te dit, même moi, même Mandolis là, si vous parlez de monde, ou d'abord de l'islam, d'abord de peuple là, mais qui est sûr, nous pas aider. Baille peuple là, l'islam, et puis peuple là, qu'on qui est, et que la pointe à vous faire. Oui, c'est le moment, c'est pas le moment ni 11, ni 20, ni 30. Moment, c'est le moment. Pour nous garder pour nous, dans qui est à nous, côté nous pour aller. Moment, est-ce que les gens qui ont un document officiel, ils ont ça à te faire avec? À qui moment ils ont utilisé? Est-ce que vous avez chaque membre de la sécurité pour vous aider? Nous, même jour, nous disons, quand nous avons menacé nous, c'est parce que nous avons menacé l'intérêt. Si nous avons menacé l'intérêt, nous n'avons pas d'appel encore. Parce que le gouvernement est là pour nous. Je pense que la question ça vous pose maintenant. N'importe le fait interview avec l'autre monde, il y a demandé. T'as pour qui est-ce l'autre de l'autre monde? Mon qui est responsable. Donc c'est sécurité ou pas de banou qui fait une bague, on compte qui est-ce qui en sont mis. Et pas sécurité ou pas de banou, moi je dis. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous parlez en même déjà, qui ça vous fait avec? Parce que chaque monde qui a parlé des documents, ça a ces documents qui côté là, qui est monde qui est monde qui connaît. Peut-être que c'est un million, c'est pas de l'eau, c'est 100 millions. Dans le document, moi, dit Dorsena a rapporté que des bandes armées ont déclaré que si les autorités avaient négocié un accord avec elles, sans aucune hypocrisie, elles auraient déjà pu abandonner leur activité criminelle. Mais. À dépasser, je me suis dit deux ans, un an d'islam, je me dit même pas, ça a ouais, ou répété moi. Je me dit, il faut que mon négociation cesse avec mon yon. Sans mentir. Parce que si vous parlez de mentir avec mon égamé, vous devez mourir au commencement. Quel que soit le monde où il y a, et pour parler de négociation avec un groupe armé, les mêmes réflexions, ce n'est pas le mentir, c'est pas la vérité. Pour parler de vérité, est-ce que le gouvernement yon cesse la parole yon? Ou est-ce que j'ai malgré tes sociétés, d'accord, mais on parle pour engagement, ou elle dit on est quoi faire 10 soit fait date, demain matin, et puis on est là, quand on va bien dans le quartier, et là, on est dans le corridor, quand on est consacré le quartier populaire bien, et on est tout le quartier populaire. Quand est-ce que Wyclef saute-t-il vient d'entrer dans le bail ça? C'est parce que c'est MDDR quoi que Wyclef a aidé ou bien? Wyclef Jean te demandé au commission activer, c'est ça qui fait Guitérelem, c'est dans le contexte à Guitérelem. Hein? Littéralement, moi pour le demander, moi, qui meilleure solution, qui meilleure stratégie nous capable. Moi, dis-lui, avec Wyclef, avec Jean fonctionné et M. Comte fait programme pour la paix, je pense avec lui, nous capables. En pile bagaille capable de faire. Monsieur Améo, c'est Mounio et tout. Vous attendez, vous réfléchissez, vous. Les gens, il n'y a pas agi, vous connaissez ça pour vous faire. Vous avez tiré tête, vous avez tiré frère, vous avez tiré famille, vous avez rien agi. Vous dit, vous avez réfléchi par vous. Je pense que le message avec les flas sont bon message. Nous avons utilisé parce que nous avons utilisé. Alors, mon cap parler à ces gens rebelles d'Ossena. D'Ossena nous connaît qui gagne non. 11 familles qui ont vendu des armes avec balles dans le pays, qui ont tué les peuples, qui ont fini avec les peuples ici. Mais qui n'a jamais eu le courage pour que les communiquer, liste non 11 familles. Mon ap mouri, les gens qui ont kidnappé les gens, balles ap vendu, les armes ap continué à vendre, mais still gen non 11 familles dans la poche. Et ça qui intéresse lui, entre les messieurs qui ont été venus là, monsieur Diouk Guy Philippe Terrelel, monsieur Diouk qui a été clefté par la velle, sous dossier comment vous êtes capable de faire un mouvement pour nous. Désarmé et puis désarmé messieurs à Sapatio pour nous capable mettre la peine en pays là en dedans de qui ça que l'a dit toujours ça pas bon yo même de cas utiliser ça bon yo tout je dis nous de cas utiliser ça va avec le dia pour mener vers l'avant parce que artiste pays là qui a aidé tout artiste net quel que soit artiste là footballeur musicien tout le monde qui a aidé là. Parce que nous avons une situation difficile là, au Manès. Pas de personne en Haïti là, actuel là, qui a dit qu'on prend rien. Personne ne va dire ça parce que tout le monde, ça a ouvert de l'eau sale sur vous, ça a ouvert de l'eau propre sur vous, il finit à tout le monde dans la société. Nous n'avons jamais conduit une bonne négociation free dans le pays d'Haïti.
nous toujours faire sous menti, nous toujours faire sous bluff. Et ça mène nous là. Ça on a bail kou yo vle. Côté on vle mener bagala et là la avèl. Ou ka imagine ou quantité moun k ap mouri, université mouri, banjou mouri, tout moun mouri nan peyi d'Ayiti. Je ne jodi a, m'pense c'est un moment qui pi important nan vi nou pou nou ta di bon assez. Assez côté nou ye a, nou rive nan bout nou. An nou fon bagay pou Ayiti. Parce que toute négociation qu'a fait là, dans les fait négociation pour voir même pas un mois avec Haïti là-dedans. Qui est-ce moun, on est depuis 29 février qui a dit gouvernement ça a tombé mais qui est-ce qui j'étais? Dis ou même qui dans la radio son gros journaliste va faire interview à tout le monde. Dis qui est-ce moun qui relé autant de notre radio ou faire le journal international. Est-ce que j'entends un monde qui dit mais qui est-ce qui j'étais gouvernement? Oui, mais sauf que mon gars, mon qui croit que c'est bandit qui fait avion pas voler X, Y, Z. Mais dans tête, pas l'autre monde tout qui fait réflexion. Il dit non, mon cher, c'est Blanc vle kembe Ariel là-bas. Si Blanc te vle ke avec Marines américains, qui avec deux moun là-bas, 15-20 nègres là, t'es qu'à descendre dans la ville de Ariel ici. Comme l'autre barre, t'es pas posé tout comme question. Oui, c'est qui ça? Oui, pour le problème, c'est que c'est pas bandit qui fait Ariel pas qu'à venir. C'est Blanc qui fait Ariel venir. Si bandit. Si... Bah, arrivé là, nous. Hein? Mais moi, je dis exactement ça. De toute façon, si nous arrivons là, nous nous disons là, et je pense que Romanes, bon problème qui mène nous là. Nous n'avons pas de disposition pour nous faire rien. Nous n'avons pas de disposition pour nous critiquer, faire mon mal, mais nous n'avons pas de disposition. Pour nous, pour question sécurité Haïti. En garde si nous t'apprenons de disposition pour nous dialoguer, par exemple. Parler à Bandio, ou dit d'ailleurs, faut nous parler avec eux, sans problème. Bah, peut-être, moun qui n'a en place, ou bien en position pour parler avec eux, qu'a parler avec eux. T'es gen G9, t'es gen GPEP. Maintenant, les gens qui ont pas battu entre eux encore, ils ont fait vivre ensemble. Mais, soit G9 ou bien GPEP, yo te kon parler avec CNDDA ou bien CNDDA te kon parler avec yo. Est-ce que depuis la vivance ensemble formé à nous continuer parler avec yo, yo relé nous ben nous relé yo pour nous dire mais ça n'a fait. Romanes, question ça son question stratégique dans pas de la radio, quand là me gadou. Depuis gon bon sincérité dans négociation qui pour faire. Radio Omega. Yo mon, yo respecter l'autre, que mes paroles nous. Da pas gain l'autre institution, pas gain l'autre et nous avons dit l'autre corps, l'autre groupe en Haïti qui est CNDDR qui vous parle avec nous. Personne en Haïti n'a pas le droit de lever pour aller parler avec aucun groupe armé officiellement sans CNDDR. C'est CNDDR qui pour faire négociation. En attendant que vous avez le fond l'autre, si on lève maintenant là, la police dit que vous avez dans mon nez, et vous avez le droit. Radio Omega. Pour faire pont, c'est pour ça que c'est CNDDR là. Je dis, je ne dis là, quel que soit mon ouïe, quel que soit ce qu'on est capable de faire, il faut reconnaître qu'il y a un problème dans le pays d'Haïti. Si on ne reconnaître pas, on a dit qu'on ne peut pas diriger vrai. Parce que les gars, si vous faites au niveau international, vous parlez de nous bien, c'est vous qui faites parler nous mal. C'est vous même tout qui, quel que soit, groupe ou elle a négocié, c'est grâce avec le groupe armé, parce que si vous utilisez mal, vous pas jamais utilisé bien, parce que y a un jeune garçon qui pense qu'il a un groupe ça, carré serré, il y a un carré football, il y a un carré dans l'armée, il y a un carré dans l'armée. Qu'on pas quelque côté, n'est-ce pas? Mais je ne dis pas tout, non, pas dit tout. Mais quand même, il y a un jeune monde, Romanes, des nazons, et je ne sais pas ça comme primaire par rapport à vous-même. De Nazon à Delma 4, il descend en bas la ville, passe Belle, Montessorino, arrivé Fort National, descend jusqu'en bas net sous la ville là. Gagne 1373 corridors. Il y a un connecté à Clot. Ça veut expliquer. Corridor. Qui ça veut expliquer, 1373 corridors. Ça veut expliquer de corridor. Corridor, c'est une zone où on n'a pas besoin de passer dans la rue pour sortir, pour aller faire rien du tout. J'ai dit, corridor, il y a une connecté à Clot.
C'est-à-dire, il y a un document qui paraît dans le CNDDM. En plus encore, vous pouvez imaginer un petit monde 11 ans jusqu'à X, les grands amis, vous voulez dire, sans réflexion. Oui, mais pour le problème, quand on interview. Dans le Sénat, bon, petit peu. Je fais une interview avec Barbecue, me poser une question, il ou les langues dans la bouche, il ne va pas répondre. Pendant que je demande pour nous parler avec vous, sans problème, l'État a qu'à parler avec vous. Mais il faut qu'on ait qui ça vous voulez. Qui ça vous voulez vous-même? Ça vous voulez. Mais justement, quand il y a là, eh bien, c'est là que je suis à votre aller. Oui. Qui ça vous ou pas qu'à dire ça vous voulez. C'est vous qui font une proposition. Oui, ça me besoin qu'on aime qu'on ait qui ça vous besoin vous-même. Qui ça vous voulez. Pour vous faire une proposition, il faut que les gens qui ont volonté, et dans le plus haut niveau de l'État, et ça me explique là, un gouvernement démissionnaire. Bon gouvernement qui a venu, gouvernement démissionnaire n'a pas pris aucune charge là pour le moment. L'élite pour le prendre charge là, il va prendre, il va quitter le moment passé. Quand il y a un gouvernement qui va venir là, c'est lui-même qui pour qu'on est, qui va pas aborder des questions avec nous. Laissez-le nous-mêmes, nous avons fait ça nous gagner pour nous faire. Mais cependant, gouvernement qui l'a eu, il a pris une charge pour nous dire, en nous demandant de trêve, parce que personne ne va demander de trêve. Tout le monde qui débarque à la poule, dans façon par eux, parce que c'est bon pour eux. Les qui ont sécurité, le bon pour eux. Parce que, bon, quand il y a là, au Manès, tout le secteur privé qui débarque dans l'hélicoptère. Si malheur, il y a un cob pour même prendre moto pour sortir. Quand il y a qui est capable de mourir là, il va si malheur, il y a un cob pour mourir. Hôtel est fermé, pas que personne dans l'hôtel encore. Tout hôtel fermé. Nous avons levé, nous quitté nous. Nous avons quitté nous, on a tout l'autre. Chaque jour, on dit, mais ça va le faire, mais ça va le faire. On a fait un paquet de bagailles. Et pourtant, on n'a pas considéré les gens qui ont contribué à une petite taxe pour les gens qui officiellement mangé boire. Et puis, on n'a pas fait pour eux. Nous avons un problème sérieux là. Bah, tu t'es dit dans un journal et que Zan n'a pas bébé si on passe sous table dialogue là. Est-ce que, et que Negyo, c'est espace pouvoir, Negyo, cherché là. M'bavé dit yo vle pran palais pour mettre Guy Philippe Jean-Pierre mon Abdil mais c'est dans la ria mais tout m'tande information yo. Est-ce que c'est NDD qui a parlé avec yo pour au moins en négociation convaincre yo soit CPA Vinchita avec yo ou bien est-ce que m'te dit faire pont pour yo quand même pour une certaine négociation. Comment est-ce un jour m'a expliqué ça passé à chaque jour dit m'baï ça chaque jour dit m'on va dire quand bonjour. Et puis là, on va dire que les gens ne sont pas morts, mais on va mourir. Ou qu'on mourir, on va écouter. Depuis un an, grand pile monde dans le gouvernement, tu connais vivant ce moment-là. Tu connais la mission. Qui ça a fait? Est-ce que tu es pour une disposition pour ça? Parfois, l'on va là, il y a même fort qu'on est, il y a laissé 50 gouttes ou une demander. Mais pourtant, il y a la privée, la nuit. Et bien, je vous dis, il y a passé dans la première phase, il y a l'autre phase encore. Si nous pas bon disposition. L'on a dit qu'on a négocié, on a parlé avec les gens, on a parlé avec les gens, il y a pile parole qui a fait. On a dit, je ne vais pas dire plus parce que je ne vais pas dire pour mes yeux. Non, on ne va pas facile. On ne va pas facile. La vie nous montre qu'on est important pour le pays. Il y a des gens qui ont dit. On a dit, évitez-moi parce qu'il y a trop de menaces. On ne va pas dire plus. Bon, je vais vous donner une question pour aller. Une fois pour tout dans le Sénat. Nous sommes j'étais gagné un juge qui a travaillé sur le dossier Jovenel là, il t'a invité où? Écoute à le devant ou t'es parlé avec elle et on t'a même posé aux questions, on t'a dit ça, derrière là après ça ou m'a au moins ou pas un problème avec vous. On t'a même posé aux questions sur question 11 familles. Pour une fois et pour l'histoire, pour la vérité. Est-ce que c'est dit ou pas dit qui 11 familles ou bien l'air pour qu'arriver? On m'a dit que je ne vais pas venir dans la radio, je ne cite personne. Est-ce que tu as mon document? Quittez-moi pour nous, posez-moi une question, je vais répondre. Je ne vais pas venir dans la radio pour ma bonne non personne. Il y a un groupe qui travaille sur un document qui est CNDDR. CNDDR a un groupe qui est administration, c'est primature.
primature a gagné un paquet de monde qui structuré en dedans sécurité pays a. Ou monde qui a bon information sur Romanes, il qui doit faux. Mais primature a gagné moyen en même, il gagné moyen économique. Yo gagné yo payer service de renseignement pour y aller contrer carré ou son contrer vérifier information yo. En plus, il y a la police tout. Il y a la police judiciaire pour aller vérifier contre information. Est-ce que moun yo qui la yo ou sont la yo, est-ce que vous voulez sécurité? Bon, on ne laisse pas poser une question ça. C'est tout le monde qui l'a système de sécurité. Vous faites ça chaque jour dans le Sénat, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Vous faites ça chaque jour. Est-ce qu'on a un bon document qui est moun yo? Bon, pas besoin de citer. Est-ce qu'on a un bon document qui est ma cité? Eh bien, on va laisser ça ou même vous mettre. Dites-moi aller vers l'autorité qui est étatique et puis vous me dites est-ce que la commission a un document en main et puis ça y a bonne réponse ça. Merci beaucoup. Merci en pile. De quoi tu as fait parler ça avant? En même temps. Voilà, Jean. Voilà, si c'est pour non 11 familles pour danser dans le pays, il n'y a pas de jambes bailler parce que tout simplement non 11 familles ça, c'est eux qui ont un cop dans le pays, c'est eux qui vendent des armes, c'est eux qui vendent des balles et c'est eux qui corrompent tout secteur, c'est eux qui ont contrôlé le pays. Dans ce sens, on a décidé de faire comme pendant que les gens ont mouru dans le pays. On a continué à mener la bataille parce que c'est là pour aller. Ok? Et c'est exactement où ça pour nous faire. Pour nous garder comment d'avoir retiré Haïti dans la situation difficile qu'elle trouvait là. Voilà. Il y a une pile question qu'a posé. Ok? Sous Guy Philippe. Est-ce que Guy Philippe est dans la drogue? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Mais ne pas jamais poser la question. Sous complot qui est manigancé pour tuer Guy Philippe dans le pèlerin 11 ans dans la boule 10 là. Ça veut dire que le grand objectif là depuis au patrouille, il faut nous jouer un moyen quand même pour nous détruire. Il a fait le sous Martin Moïse. Il a tué le président. Il a tué le premier dame. Non, mais c'est bon Dieu, justement, qui bat la vie. Sont-ils vivant? N'a pas campé le jour comme ça que Martin Moïse était avec Claude Joseph, garçon avec femme. Claude Joseph était avec Martin depuis les Jovenel Moïse était là. C'est ça, il dit. Parce qu'elle n'est pas mourue. Parce que tout simplement, elle n'est pas arrivée à trouver. Elle dit l'enceinte, elle n'est pas à bord, côté petit la passé, avec côté enceinte la passé. Ça va suffire. Elle dit madame, non, tu avec Don Kato. C'est des qui ont mis quoi, oui? Ils ont mis Pierre Espérance. Tenez bien. Ou avez compris comment elle a sorti. Léo et Jacques Toa Pakakebe, yo dit Martin Moïse t'a avec un assassin yo qui assassine Jovenel Moïse, James Solage, ça Pakakebe. A yo dit madame nan touye Jovenel. Yo rivé là. Et puis yo sorti ordonnance, yo dit madame nan touye Jovenel, mais comment nèg yo fonctionné? Jeune garçon même j'avais nous qui choisit fait choul job sale pour système nan, n'a pas connu côté Haïti. Même ti nous seul moyen pour nous sortir. Non, situation violent pareil. C'est avec la violence sous toute forme. Et violence que nous avons décidé de faire dans le pays pour le moment, nous devons répondre par la violence. Secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, te dit un bagaille. M. dit comme ça, dans un tweet, c'est le seul peuple haïtien qui est capable. Et puis là, le pilote pour le dire, c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir. Peuple haïtien, ça vous le dit encore, c'est seul nous capables. Eh bien, nous montrer capables ou reconnaître que ou sont diplomates, ou sont démocrates américains, ou respecter majorité, décision majorité, eh bien, ou connaître ce seul peuple haïtien capable, eh bien, peuple haïtien dit le vle Guy Philippe. Et ouais, le pilote pour dire, c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir. Eh bien, ou est-ce si, nous pas faire ou faire pour ah ben nous faire à tout ça n'a pas sigue adelanté pour nous forcer au coulève cette tête venir installer l'armée nationale c'est violence et m'a dit peuple là problème n'est pas secrétaire d'état américain ni tout le pays États-Unis dans sens ça parce que n'est cap porter pour l'installer tête n'est pas national là c'est haïtien oui ah ben violence là supposé faite sous yo violence physique là supposé faite sous yo parce que yo a fait violence sous nous depuis 30 combien d'années ça pas suffit ah ben nous même nous devons marcher pour yo faut que nous fassions bagaille. Monsieur méchant trop. Un vacabon. Nous détruisons le pays, ça ne suffit pas. Nous faisons toute qualité de crime dans le pays. Nous ne pouvons pas suspendre. Mais Abraham dit c'est assez. Faut que les campés là. Voilà.
Maintenant, Koulev cette tête a préparé pour entrer dans la nationale. Il n'y a pas qu'on pas qui moyen parce que et il a mené Koulev à l'école, c'est vrai. Mais sauf que il pas cachita. Ma pande moun pa do prince comment se retirer konou. Moun pa do prince retirer konou parce que moi que c'est coup de zame qui pral marier m pa le peuple la victime. Moi même le nèg a sa pat yo qui fin mené bataille pa yo qui estime que classe politique t'a bien mais c'est comme ça qui est grave là. Guy Philippe rentre dans pays d'Haïti, il lance opération révolution pour libération pays d'Haïti 2024. Bataille prend cher, il y a des secteurs qui trouvent que discours ça libre pour yo. Et bien choisir rentrer là-dedans. Ariel tombé. Qui est-ce qui vient pour prendre pouvoir, accaparer le pouvoir? C'est même classe politique là. Vous trouvez la vie facile, violence extrême. Ça les deux suspendre. Et problème pays d'Haïti comment le résoudre? Madame Lalim, ancien ambassadeur pays d'Haïti et pour les États-Unis d'Amérique, il était parlé dans un micro dans la coupe pays d'Haïti. Nous étions notre parti dans l'intervention. Naturellement, on va permettre nous d'entendre toute interview ça que Wendell Théodore fait ensemble avec Madame Lalim. Nous allons attendre avec un pile intérêt parce que il y a pile bagaille que nous devons tendre et pour nous comprendre dans ça et qui dit il est extrêmement important pour nous tendre madame là. Madame Lalim en nous tendre Wendell Théodore nèg Jacques sauf que gon question que Wendell poser Wendell respect pour m'a dit plus en nous tendre madame Lalim dans interview ça avec journaliste Wendell Théodore. Et côté qui vous parle de Guy Philippe, qu'on question parce qu'on est bien. Vous parle parler des situations de sécurité pays d'Haïti. Madame Lalim pourrait répondre, il pourrait dire exactement les mêmes ça le pensée. Elle dit clairement tout, oui, qu'il n'y a pas capable. On s'éclaire sur ça, on avance. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Madame White, Madame l'ambassadeur, bonjour, bienvenue sur Radio et Télémétropole. Merci, Ampi. Je suis très content d'avoir la possibilité de vous poser des questions. Moi aussi, allez-y. OK. La première question que j'aurais bien aimé vous poser, Madame White, les Américains ne négocient, en fait, affirment ne pas négocier avec des terroristes. Comment vous comprenez le terme, comment pourriez-vous nous expliquer le terme terroriste? Qui l'est ou qui ne l'est pas? Oui, merci pour cette question parce que c'est beaucoup des amis ont été, m'ont dit, mais pourquoi vous avez dit ça? C'est pas bon de tout. Ma téléphone était bling, mille fois. Mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut parler avec, il faut prendre quelques minutes pour parler avec les bad guys. Je n'ai pas dit qu'il doit être en puissance. Je n'ai pas dit qu'il doit contrôler le gouvernement. Attendez, mais ça que Madame a dit. Madame a dit comme ça que, après elle a fait une déclaration dans un groupe média international, quand elle a dit, et situation pays d'Haïti, pour nous sortir là-dedans, il faut qu'il nous négocie. Alors, il faut qu'il nous négocie avec Guy Philippe ou pas qu'à jouer nos solutions sans Guy Philippe. Et là, le plus long pour le dire, ou pas qu'à jouer nos solutions sans normalement Jimmy Cherizier alias Barbecue. Il te dit ça, mais qu'on y a ça qui est intéressant pour nous connaître. Qui est-ce qu'on s'acquire les madame non? Parce qu'il dit téléphone n'a pas de sonner, blem, il y a pas de relais, il a dit ça, il dit c'est pas bon, tel bagaille. Qui est-ce qui relève? C'est là qui est intéressant pour nous, hein, oui. On avance toujours. Peut-être n'a parlé là pas, il n'a comprendre plus. Et chercher à comprendre. Mais pas oublier, non? Son diplomate américain qui a parlé. On avance. Je n'ai pas dit qu'on doit être les meilleurs amis. Seulement que si vous avez quelqu'un qui contrôle 80 personnes de Port-au-Prince, et même plus, je crois, maintenant, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée si quelqu'un sous la table, si vous voulez, demande à lui, à cette
Barbecue et peut-être son équipe, seulement demander qu'est-ce que vous voulez. S'il dit, moi, je voudrais être président, OK, c'est fini. La négociation, c'est fini. Il ne va pas être président, évidemment. Mais de l'autre côté, moi, je vois que... Je crois que c'est absolument nécessaire d'avoir boots on the ground. C'est-à-dire, il faut une force militaire internationale. Et je crois qu'il doit avoir une bonne idée quel est le vrai problème. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pourquoi ils sont là en Haïti? Et personnellement, moi, je crois que les troupes, 1000 troupes de Kenya... 1000 soldats de Kenya? Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. Je crois qu'il faut une force militaire. Et personnellement, je crois que ça doit être américain. Je sais que tout le monde, tous les diplomates en haut, les grands types de Washington a dit que c'est non, on ne va pas envoyer les troupes américaines en Haïti. Attendez, mais ce que madame a dit est très bien pour nous comprendre. Elle dit que pour 1000 soldats Kenya, qui ont prévu qu'ils pourront entrer dans le pays d'Haïti, il n'y a pas d'espoir. Ça veut dire qu'elle dit qu'ils ne sont pas capables. En logique, ils ne sont pas capables. Ils sont même seul salaire qui est capable de résoudre le problème si qu'une pas choisi de dialoguer. C'est seul une force militaire américaine, dit tout préciser, oui, une force militaire américaine qui pourra déployer, qui pourra résoudre le problème. Non. Pour moi-même, il n'y a pas qu'à piquer que ça, non? Honnêtement. Parce que, j'en virer, messieurs, j'en vais se contrôler le capital pays d'Haïti, j'en lien, faut que c'est une force qui est 1000 fois supérieure par rapport à eux-mêmes, et faut qu'on accepte qu'on parle tout en pile monde. Faut qu'on ou admettre ça et pour chercher la paix ou quelque part si c'est comme ça pour le fait qui nous t'a jeune. Mais pour dire tout, est-ce que l'administration Biden a le même cap fait politique qui non en électoral normalement? Est-ce que le pas voyer des soldats t'as entendu qu'il y a des soldats qui blessent ou bien qui prend balle à Haïti, laisse ça pas difficile pour lui, peuple américain pas lever contre lui, laisse ça tout perdre élection et comme si Nadjo est plus facile s'il t'a gagné. Vous comprenez? En avancer avec madame Lalim dit encore une fois. Mais pour moi, je ne vois pas une autre solution. Et une autre chose. Je crois que quelqu'un, un journaliste ou quelqu'un a dit que Mme White, l'ancien ambassadeur, elle est un dumbass et on n'a pas besoin des dumbass en Haïti. S'il vous plaît, madame, dans tous mes respects, je peux être un smartass, je peux être un badass, mais je ne suis pas un dumbass. Merci. Vous traduisez pour nous cette dernière phrase? Oui, oui. Il y a des gens qui disent que je suis un oiseau de mauvaise augure, que je suis quelqu'un qui n'est pas tout à fait positif ou bien qui prêche de mauvaises intentions. Je ne le suis pas. Mm-hmm. Je dis tout simplement que c'est nécessaire. Qu'il y ait certaines considérations particulières. Je dis, tout haut, ce que les gens disent tout bas. – OK, en tout cas, je n'avais fait allusion à personne en particulier quand j'ai posé la question, quand je vous ai posé la question, madame. Mais vous m'encouragez là à enchaîner avec une autre question. Notamment, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Joe Biden reconnaîtrait un gouvernement issu d'un coup d'État avec Guy Philippe ou Barbecue? Non. Est-ce que je crois que le gouvernement de Biden va parler avec un gouvernement qui était à la tête de Guy Philippe ou Barbecue? Non, 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 certainement. Pas de question de ça. Mais aussi, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est sûr et certain. Mais de l'autre côté, cet nouveau conseil de transition, ça, c'est aussi, il y a déjà des problèmes avec ça. J'ai lu ou j'ai parlé avec quelqu'un hier soir qui dit que la chose qui était dans le moniteur était complètement différente que les mots que le nouveau conseil veut
d'être dans le moniteur. C'est-à-dire qu'il dit que les sept membres, neuf peut-être, doivent avoir un certain ils ont demandé des choses qui ne peuvent pas d'être faites maintenant en Haïti parce qu'il n'y a pas un judiciaire où on peut avoir certaines choses. Les choses, les mots qui étaient dans le moniteur, c'est presque, ils posent un problème pour que les nouveaux neuf membres ne peuvent pas prendre la place en Haïti comme le gouvernement. C'est stopped. Pour le moment, je ne sais pas ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, je vois que le nouveau processus, qui au moins, c'est quelque chose, c'est un mouvement, maintenant, ça aussi, c'est bloqué. C'est ça que vous croyez aussi? Que le processus est bloqué. Oui, je crois. C'est complètement bloqué parce que les mots étaient changés dans le moniteur. Ce n'est pas les mêmes mots qu'il faut pour approuver les neuf membres, nouveaux membres. Pour le moment, c'est ce que mes contacts, qui sont bons, m'ont dit, que pour le moment, Henri est toujours le premier ministre. Et tous les ministres qui étaient dans son équipe, ils sont toujours les ministres. Mm-hmm. C'est vrai? Ah, vous me posez la question à savoir si c'est vrai. C'est ça que vous pensez aussi, quand Henri est toujours le premier ministre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est sûr et certain. Et ça pose un grand problème. Un grand, grand problème. Madame White. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement qui fonctionne en Haïti. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, la chose qui est la plus importante, c'est la sécurité. On parle de neuf personnes, c'est OK, on parle de neuf personnes, mais on ne parle pas de sécurité. On ne peut rien faire en Haïti s'il n'y a pas de sécurité. Justement. Il y a 5 millions de personnes qui sont assez de manger. Il n'y a presque pas de l'eau, il n'y a presque pas de nourriture, il n'y a pas de les choses pour les médecins. C'est une crise humanitaire qui est incroyable à penser. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'intérêt des États-Unis. Et pour le moment, je parle aux gens qui travaillent dans l'équipe de White House, pourquoi il n'y a pas plus d'attention sur la situation sécuritaire? Parce que c'est ça où le peuple haïtien, c'est ça où il souffre. Et pour moi, ça c'est la première chose qu'on doit faire pour le peuple d'Haïti. Je ne parle pas pour le peuple d'Haïti, le peuple d'Haïti peut parler pour eux-mêmes. Moi, je parle aux gens à Washington, et je demande à eux, il faut envoyer l'aide humanitaire. Il faut envoyer la nourriture et de l'eau et des choses médicales. Il faut faire ça hier. Pas demain, pas semaine prochaine, pas l'année. Ça fait des années déjà où les peuples haïtiens souffrent trop. Et maintenant, il n'y a pas, pour le moment, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu une solution sur la situation humanitaire. Je ne vois pas. Mm-hmm. Je vois que si cette nouveau conseil de transition, si, et ça, c'est pas sûr maintenant, si une fois qu'ils sont là et ils sont le gouvernement, c'est eux qui peuvent des choses pour la sécurité, pour que la situation améliorée. Mais avec quoi? Le police haïtien, je crois qu'ils try. Mais il y a 5 000 personnes. Les gangs, ils sont 25, 30, 35 personnes, 1000 personnes. Comment 5 000 personnes de police peuvent combattre 30 000
gang members, moi, je ne vois pas comment le faire. Et est-ce que vraiment, est-ce que quelqu'un pense que les 1000 Kenyans vont venir en Haïti et tout se va bien? Je ne crois pas. L'éclair. Et madame n'a dit comme ça, comment tu as compris pour t'apprendre environ 5000 soldats ou bien policiers ou whatever pour t'avoir combattre 25 à 30 000 gangs. Il dit comme ça, bon, on parle, nous pas même là même, n'a parlé en fait de 1000 policiers Kenya. Il dit pas quoi même dans rêve. Il pas quoi comme si ça ca et l'éclair, c'est qu'on sale toujours et ça qui est important. Il y en a ça qui est danger pour nous même en tant que peuple. Ça que c'est ça qui gagne comme focus là moi sous dossier force multinationale ça. Cap vient contrôler port, aéroport, grand voie axe et on m'a dit axe routier, grand axe routier, ça veut dire grand routier pour faire qui ça? Ça aussi ça la question. En dehors de madame Lalim toujours m'a le couper trop pour nous capable pas perdre fil et ça cap dire. Je crois que il faut une autre solution. Madame White, vous venez de dire il y a quelques instants que vous avez pas beaucoup d'espoir dans le déploiement de la force multinationale avec à sa tête les Kenyans. Si vous n'avez pas beaucoup d'espoir, c'est que vous pensez qu'il y a d'autres options. Et les Américains... Ils doivent être les autres solutions, les autres options. C'est ça que je dis. Je dis ça clair. Parce que je parle avec beaucoup de mes amis. Quelqu'un qui est en Haïti, il y a beaucoup qui sont en Washington et l'autre partie. Franchement, presque chacun, jusqu'à aujourd'hui, presque chacun a dit la même chose. 1000 Kenyans ne peuvent pas régler la situation sécurité en Haïti. Je crois que c'est incroyable que personne croit que ça c'est une possibilité. Moi, je ne vois pas comment ça va. Et un autre grand problème, j'ai lu seulement ce matin, très tôt ce matin, que les Ouzis et les whatever they are, les grands munitions, ils sont toujours, ils commencent en Miami ou Floride, quelqu'un, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup sur le mer qui vont arriver en Haïti cette semaine même. Comment, pourquoi on ne peut rien faire avec ça? Ça, maintenant, Haïti est le pays où la plupart des guns, les grands, horrible guns, avant c'était les autres pays en Amérique du Sud, mais maintenant c'est Haïti qui reçoit plus de guns de tous les autres pays. Ça, c'est impossible. Et un problème là, j'ai lu ce matin, que c'est la première fois que j'ai lu ça, que c'est à cause de cette administration, la Biden administration, et laisse-moi être clair, moi je suis un démocrate, mais la Biden administration, ils ont coupé beaucoup de l'argent, les fonds, pour le Coast Guard. Et maintenant, il a seulement 2 ou 3 bateaux. Et même eux, c'est difficile d'avoir assez de personnes parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Le budget était complètement, comment dire ça, coupé. Et maintenant, on a beaucoup de difficultés. Il a dit, c'est impossible avec son équipe maintenant, avec l'argent qu'il a, qu'il peut, contrôler les armes qui quittent notre pays. Ça, c'est absolument ridicule qu'on ne peut pas régler cette ammunition. C'est quelque chose de très triste pour dire à tout le monde qu'on ne peut rien faire pour le trafficking. Pendant le temps que j'étais l'ambassadeur, c'est les drogues qui étaient le grand problème entre les deux pays. Maintenant, c'est les armes. Mm-hmm. Et on dit qu'on ne peut rien faire. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on ne peut rien faire pour contrôler
et empêcher que les armes arrivent en Haïti de la Floride. Vous pensez qu'on ne peut rien faire vraiment? C'est pas moi qui dis ça. C'est les gens de Coast Guard qui a dit ça ce matin. J'ai lu ça dans un article. Il dit que, you know, c'est triste et c'est horrible et tout, et bla bla bla. Mais ils n'ont pas l'argent ni les gens qui peuvent le faire. C'est eux-mêmes. Ok, Madame White. Madame White. Mais moi-même, mais tout le monde en Haïti peut voir tous les armes qui est là. Les gangs, ils ont plus des armes que les polices. Oui. Il y a une hypothèse alimentée par certains groupes politiques qui prétend que les États-Unis auraient volontairement créé la crise haïtienne, planifié le chaos et même la destruction afin de venir se présenter en sauveur, occuper le pays et s'accaparer de ses ressources naturelles. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous diriez à ces propos-là? Non, je crois que ça c'est pas du tout vrai. Non. Non, ça c'est une idée que je n'accepte pas du tout, mais c'est une chose qui est vraie, que ça fait maintenant presque 3 ans après que Moïse était tué. Et juste même après il était tué, tout le monde dit « Ah, ça sera difficile parce que le gouvernement, je ne sais pas qui va contrôler le gouvernement. » Et Henri était arrivé 2, 3, 4 mois après ça. Et au commencement, on dit « Ok, il sera là pour, je ne sais pas, 10 mois, 12 mois, une année, bla bla bla. » Mais tout le temps qu'il était à la tête du gouvernement, des choses étaient venues pire et pire et pire. Et tout le monde a regardé ça, même pas les États-Unis, tout le CARICOM, le France, le Canada, tout le monde a regardé que les gangs, peu à peu, à commencement, les gangs a contrôlé 20 personnes, et 40 personnes, et 60 personnes, non, au moins 80 personnes. Et rien n'était fait. Et c'était une question, je crois, de qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne veut pas mettre encore les troupes en Haïti. On ne veut pas faire une autre occupation jamais. On ne veut pas faire le UN. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a dit. On ne peut pas faire ça. On ne veut pas faire tel et tel et tel et tel. Mais presque rien a dit que, oh, les pauvres anciens, les peuples, ils n'ont pas assez de... Il y a des gangs partout, ils n'ont pas assez de boire. Mais rien n'était fait. Et maintenant, il y a une crise incroyable. Rien fonctionne dans le pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de médecins. Il y a 2 seuls hôpitaux qui fonctionnent pour le moment. Et maintenant, on trouve la situation presque impossible à décider qu'est-ce qu'on doit faire. Mais pour faire rien, ou presque rien, Ça, c'est pas une réponse. Ça fait pas une réponse. Le chef du UN a dit, il y a, je crois que c'est la semaine passée, que la situation en Haïti est le pire du monde, la situation humanitaire. C'est le pire du monde. C'est, du monde, ça, c'est. Il y a beaucoup de places qui souffrent. Mais quand on voit. Cette situation et on fait presque rien, ça c'est pas acceptable. Mm-hmm. C'est pas acceptable pour moi. Mais il y a une autre chose aussi que ce matin, pendant le week-end, parce que je savais que je serais ici ce matin, j'ai regardé toutes les nouvelles sur la télévision pendant le vendredi, samedi, dimanche et même aujourd'hui, rien, même pas un mot sur Haïti. Beaucoup de Iran, beaucoup de Gaza, beaucoup de Ukraine, mais même pas un mot. Et moi, je me demande pourquoi Haïti n'est pas sur toutes les nouvelles télévisions ou écrites ou quelque chose. Je ne comprends pas du tout.
Mais ça c'est une autre chose qui... Vous journaliste, et je suis sûre que vous avez beaucoup d'amis aux États-Unis dans le domaine du journalisme, et vous devez parler avec eux. Il faut qu'Eti est sur la télévision chaque jour, pour qu'on peut shake the trees en Washington, pour que Washington commence à faire quelque chose maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Mais je ne vois pas, parce que c'est pas quelque chose qui est dans la nouvelle des États-Unis. Je crois que c'est quelque chose que permettent les politiciens à dire, OK, Haïti, on va faire quelque chose la semaine prochaine. Oh, on va envoyer 1000 soldats ou policiers de Kenya, de ça, cette situation, c'est OK. Mais c'est pas OK. C'est pas du tout OK. Madame l'ambassadeur, il y a aujourd'hui un narratif très populaire qui veut faire croire que les pays occidentaux, États-Unis, la France, le Canada, refusent de prendre part directement à des opérations militaires en Haïti à cause des reproches qui leur sont donc adressés pour les échecs connus dans le passé. Est-ce que vous croyez que c'est justifié? Non. Malheureusement, je ne crois pas que c'est justifié. Et pourquoi est-ce que les États-Unis refusent? Non, je comprends bien qu'il y avait des problèmes. J'étais même là. Mais il y a le choléra, il y a des rapes. Je ne sais pas le mot en français pour rape. Je ne veux pas savoir. Je sais qu'il y a des problèmes avec les soldats dans le... les voisins, ils ont fait des choses pas gentilles du tout, mais c'est-à-dire qu'ils prennent des choses sans payer, c'est pas, il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, mais est-ce que ça, c'était vraiment horrible, j'accepte ça, mais pour faire absolument rien. Comme il y a un très fameux, très 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 bon, intelligent ambassadeur Tom Shannon qui connaît Haïti très bien et il a visité comme pendant le temps que j'étais là souvent, il était expert dans la région, il était numéro 2 du département de l'État pour une certaine période de temps et il a dit que it is shameful que les États-Unis ne fassent pas quelque chose de plus pour Haïti. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les troupes américaines. C'est shameful. Et c'est, pour moi, c'est ça que je crois aussi. Je ne veux pas que les troupes américaines soient en Haïti pour gérer le pays. Non, ce n'est pas le rôle de tout. Mais au moins, il faut aller pendant une période de 6 mois pour qu'il puisse ouvrir les humanitarian corridors. Les corridors, je ne sais pas si c'est le mot français, humanitarian. Mm-hmm. Pour que l'aéroport puisse fonctionner, que le port puisse fonctionner, les routes même. Maintenant, on ne peut pas travailler, voyager entre une ville et une autre. Il y a combien? 500 000 qui n'ont pas une place à habiter. Il faut que nous ayons au moins une solution, pas pour tout, pas pour 5 ans, même 1 an, mais au moins pour 6 mois. Il faut faire quelque chose, aussitôt que possible. Le Salvador de Nayib Bukele propose de venir en aide à Haïti pour éradiquer les gangs. S'ils sont financés, si les pays donateurs acceptent justement de financer leur déploiement en Haïti. Comment est-ce que le gouvernement américain perçoit l'offre de Nayib Bukele? Est-ce que vous auriez accepté de leur donner l'argent de la mission si les efforts du Kenya et les autres pays caribéens n'aboutissent pas? Et si vous étiez encore ambassadeur en Haïti, est-ce que vous auriez demandé à l'administration américaine d'accepter l'offre de Bukele? Non.
plus. Non. Pourquoi? On n'a pas besoin Pourquoi? De plus de violence. Non. Si on voit les troupes américaines, c'est pour arrêter la violence, c'est pas pour escaler la violence. Non, on ne va pas accepter ça. Mais il y a une autre chose que je voudrais dire, que cette troupe kenyane, le gouvernement kenyan, ils ont dit, il y a quelques jours, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 jours, que pour envoyer 1000 policiers en Haïti, ça va coûter $600 millions. $600 millions. Now, qui a contribué dans le fond de l'UN? Il y a le Canada qui a contribué. Ils ont, pour le moment, rien n'était dans le fond, mais ils ont dit qu'ils vont donner $80 millions. Les États-Unis, ils ont dit $200 millions et un autre million pour l'aide humanitaire. Et peut-être ils ont dit aussi un autre million, mais ce n'est pas approuvé par le Congrès des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et si le prix pour 1000 soldats est $600 millions, qui va payer ça pour 1000 policiers? Je ne sais pas. Mm. Je crois personne. Je crois qu'il n'y a pas de pays. Très bien, oui. Mais qui ça? Et ça que madame Nandi là qui est extrêmement important. Qui est-ce qui va le payer $600 millions pour 1000 policiers Kenya? Comme si. Quel est le bagage des fois comme si, on dit tout monsieur, ou pas de monde. C'est voler seulement en Haïti. Ok, $600 millions, bah nous 100 millions seulement matériel pour la police d'Haïti avec l'armée d'Haïti pour la quantité de matériel qu'on a gagné. Mais $600 millions. Pas ce monde n'a bêtise ça, yo, monsieur, parce que nous n'avons pas en Haïti. Ça fait mal en pile. Je venais l'oubaye autour yo. Et ça l'oubaye tout yo pour grand messi, man. Franchement, c'est grave. What video at? Qui vont payer dans cette forme? Et vraiment, 600 millions de dollars, c'est pour quoi? Une année, deux années, trois années? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est beaucoup de l'argent pour 1000 policiers qui n'ont pas... Pour faire quoi? Je ne suis pas exactement sûr. Mm-hmm. Beaucoup de spécialistes... Mais pour le moment, il n'y a pas de l'argent pour cette mission. Pour le moment, il n'y a pas. L'argent n'est pas encore disponible ou bien bloqué par le Congrès. L'argent pour les États-Unis est bloqué au Congrès, mais il n'y a rien pour les autres pays. Où est l'argent de France? Où est l'argent de EU? Où est l'argent de... Je ne sais pas. Mm-hmm. Même pas un sou. Même Goubaï qui m'a dit là... Alors, Goubaï qui m'a toujours dit qu'il est extrêmement important. Et ça cause m'obligé moi Merli m'obligé try pour moi gérer ça et l'on diplomate a parlé faut nous très prudent dans ça l'a dit même si l'anglais parle l'anglais mais quelque part les Merli pas parler n'importe qui gens li tout l'argent par États-Unis pour force Kenya li bloqué par le Congrès li bloqué par Congrès américain Congrès a bloqué en même temps li dit côté l'argent la France là. Côté l'agent l'Union européenne. Il dit pas même une fois, il pas même décu, pas jamais décaissé. Pourquoi ça tout temps c'est États-Unis? C'est pour l'agent qui a jamais décaissé. Il y a qu'un ben sous ça et puis voler dans le pays d'Haïti, lui même a continué de tout pays. Que peut pas il s'en fout tout politicien, il se tourne boule moi pour pays à libérer. Claire. On a les madame Laline, bien pas. Est-ce qu'il y a un pays? Franchement. Il y a un pays qui gère le basket fund. Franchement. Non, il n'y a pas de basket fund. Il y a un basket fund à l'UN. Mais pour le moment, au moins, j'ai lu il y a quelques jours, je ne suis pas au courant, mais ce n'est pas longtemps non plus, qu'il y a 11 millions dans le basket fund à l'UN, pour le moment. Géré par les Nations Unies? Yeah. OK. J'allais vous dire que beaucoup de spécialistes pensent qu'on aurait pu aider Haïti à faire face aux gangs
à travers une intervention rapide, genre opération éclair, coup de poing, pour débloquer la situation. Et pour ensuite céder la place à l'ONU, comme c'était le cas dans le passé. Est-ce que cette possibilité n'existe pas encore, n'existe plus? Ça existe toujours. Et mais, d'être sûr que moi, je ne parle pas pour le gouvernement des États-Unis, je ne travaille pas pour eux, je suis sûr qu'ils sont contents de ça pour ce moment, mais je parle seulement parce que j'ai une voix. Et peut-être il y a personne qui dit « Ah, peut-être que c'est une bonne idée. Oh, ok, ok, on va penser de ça. Au moins, mettre des idées dans leur tête. » Mais c'est une possibilité. Mais c'est une possibilité pour envoyer les troupes américaines aussi. Mais ce n'est pas une probabilité pour les deux. Malheureusement, parce que je crois que c'est quelque chose... un ou l'autre doit faire. Pour moi, sera plus difficile à organiser les troupes du UN. C'est plus difficile parce que c'est beaucoup de nations qui doivent faire partie de cette intervention. Mais pour les États-Unis, c'est beaucoup plus facile parce que nous dites aux marines, bon, c'est vous. Je crois même si on peut envoyer même pas beaucoup de marines qui peuvent établir ces corridors humanitaires, je crois qu'on peut le faire sans trop d'organisation. Mais le UN, c'est compliqué. Mais toujours, c'est toujours une possibilité. Ce n'est plus le même pays que vous avez connu, Madame l'ambassadeur. Pourquoi est-ce que les États-Unis ne le font pas? Ne font pas quoi? Pourquoi ils n'essaient même pas d'envoyer les Marines, comme vous le dites? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je n'ai qu'une idée. Vous n'avez pas. I really don't. Pour moi, c'est... parce que je demande la question encore dans des autres, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Oh, ok, si vous ne voulez pas faire ça, oh, peut-être on peut faire tel et tel et tel, mais c'est très difficile. Vous savez que la raison que j'adore le pays d'Haïti, c'est pas à cause de j'étais l'ambassadeur d'Haïti, c'était très bien. Mais c'est à cause de je suis arrivée en Haïti comme un junior nothing officer en 85, pendant juste avant Baby Doc est parti le pays. Et j'étais là avec mon mari mes deux fils et jusqu'au mon mari à l'époque, Dr. Michael White. Il n'est pas encore là avec nous. Après Haïti, nous étions en Égypte. Ils étaient diagnosed avec un brain tumor là et ils étaient déçus. Un an après ça. C'est-à-dire que Haïti était le dernier pays que nous avons habité ensemble comme une famille. Et jusqu'à aujourd'hui, mes deux fils, quand vous demandez c'est quel pays que vous aimez le plus dans le monde, Haïti, absolument même mot. Quelle nourriture que vous aimez le plus, griot, absolument même chose à leur bouche. Et pour ça, parce que c'était un pays qui est dans le cœur de toute ma famille, que c'est dans mon cœur aussi. Et c'est la raison que je pleure. Quand je vois l'Haïti maintenant, qui n'était pas parfait pendant le 85 jusqu'à. J'étais là pendant 5 ans. Ce n'était pas fait. Il y a beaucoup de violence là-bas aussi, mais c'est complètement différent que Haïti aujourd'hui. Et moi, je vois que Haïti a des choses à offrir le monde. Il y a beaucoup de choses à offrir. Et pour voir cette situation maintenant,
incroyable. Incroyable. Très triste. Madame l'ambassadeur, nous allons observer une pause. Et au retour, vous répondrez à cette question pour moi. Avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, vous aviez dit que celui-là, il faut l'écarter. Et Jovenel Moïse allait être assassiné 4 mois plus tard. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous demander qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous parliez justement de personnes à écarter, alors que Jovenel Moïse, c'était quand même un président élu. Vous répondrez à cette question au retour. Merci encore une fois de votre disponibilité. Et là encore, je peux vous dire, si jamais vous avez des choses à exprimer en anglais, feel free to speak English because we have an interpreter here. OK. Très bien. Merci. À tout à l'heure. Justement, c'est madame la Lim, obtendez là. Et en interview, ça. Avec nous, Madame Pamela White, ancienne ambassadeur des États-Unis en Haïti. Alors, juste avant de vous poser la question, juste avant de revenir, Madame White, sur la question relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, avant la fin de la première partie de l'émission, vous avez dit que si aujourd'hui on pose la question, à savoir quel pays ils aiment, vos fils vont dire c'est Haïti. Toute votre famille aime Haïti. Pourquoi? Ah, parce que pendant cette période, 5 ans, le plus long terme que, dans tous les pays que nous avons served, Haïti, c'était 5 ans, c'était une période assez longue. J'étais à l'école qu'ils ont aimé. Nous avons un beach house avec un bateau. On a joué dans la mer chaque week-end. Ils aiment la cuisine, ils aiment les arts, ils aiment la musique. Ils aiment le peuple haïtien, qui sont le plus gentil du monde. Mm-hmm. C'est simple, c'est très facile à aimer Haïti. Oui. Venons-en à la question relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. 4 mois avant, vous avez dit que ce dernier, il faut l'écarter. Il faut le mettre de côté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Madame White, alors qu'il allait être assassiné 4 mois plus tard? C'est absolument incroyable à moi que personne dans le monde croit que moi, petite moi, a quelque chose à faire avec son assassination. Mais ça, c'est ridicule. Je n'ai personne, je suis ici, dans l'état de Maine, je n'ai pas les personnes qui travaillent pour moi, personne, même pas une assistante administrative, personne. Et pourquoi que... Donc, quelle crazy idée que c'est moi qui ai organisé, même si c'est moi qui ai pensé de quelque chose comme ça. C'est terrible. Personne ne veut que... Eva Sayomando, madame. 4 mois avant l'assassinat président, on dit qu'il doit écarter le président. Un président qui est élu démocratique pendant le pays d'Haïti. Par conséquent, dans le pays, un président élu ou son démocrate, ou qu'on est là pour 4 ans, il est capable d'aller à l'élection, mais c'est le peuple américain pour voter le poule élu comme président encore. Sinon, s'il est capable de faire suivi, il tape ton mandat. On a 8 ans pour un président. Le Sadano Trump tape là toujours. Mais maintenant, le peuple américain décide de voter by Donald Trump pour voter de non-confiance, mais dit alors, minorité a voté pour lui, majorité a voté pour Joe Biden. Mais ou même ou dit que faut qu'il écarte un président dans le pays d'Haïti. Aïe, aïe, aïe. Équipe Matelou. Quelqu'un est tué comme ça, ça c'est ridicule. Je ne veux pas même le prendre. C'est ridicule.
Vous savez aussi que certaines gens pensent que les États-Unis étaient au courant du projet de l'assassinat de Jovenel Moïse? Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je crois que quelqu'un, je ne sais pas qui, mais quelqu'un doit savoir qui a tué le président Moïse. Il y a 16 ou 20 personnes qui étaient là ce jour. Il y a 20 bouches qui peuvent parler de cette situation. Je ne peux pas comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un, Colombie ou Miami ou Haïti, qui bien qui comprend exactement ce qui passait ce jour. Je suis sûre et certaine. Je ne sais pas qui, mais je suis sûre qu'il y a des personnes. Non, les auteurs c'est intellectuels peuvent savoir. Les auteurs intellectuels peuvent savoir. Les exécutants aussi sont au courant. Mais juste après l'assassination, le DEA a dit « nous allons aider », le CIA a dit « nous allons aider », la FBI a dit « nous allons aider », le police haïtien dit « nous allons aider », le Colombien dit « nous allons aider ». Bon, OK, great. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Puisque fait une investigation, blablabla, rien. Je ne sais pas. Puisque vous observez, ce qui se passe, ou encore l'état d'avancement de l'enquête, est-ce que vous êtes satisfaite jusque-là? Non, je ne suis pas satisfaite du tout. Et il y a beaucoup de monde, tous beaucoup importants comme moi, qui doit demander une réponse à cette question. Qui a tué le président? C'est important à savoir. Mais qui va demander ça? Vous savez qui va demander? Vous, les journalistes. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de gens dans le secteur judiciaire. Et vous, ça va tomber sur vous à demander qu'est-ce que s'est passé? Il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Et avant. Au cours de la première partie de l'interview, Madame Pamela White, vous avez dressé un tableau de la situation générale du pays. Ports et aéroports sont fermés, ne fonctionnent pas. Toutes les activités sont paralysées. Nous sommes en Haïti en pleine crise humanitaire. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement démissionnaire, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, a publié le décret portant création du CP, le Conseil présidentiel de transition. Est-ce que vous demeurez optimiste par rapport à cette étape franchie? Est-ce que vous pensez que la fin de la crise, ce serait pour bientôt, quand on constate que les États-Unis saluent, les États-Unis applaudissent la création du CP. Est-ce que vous pensez que la fin de la crise est pour bientôt? Franchement, non. mais il faut donner une chance. Il n'y a rien d'autre sur la table pour le moment. Mais ça, mais la chose importante que je voudrais dire cette sujet, je crois qu'il faut au moins donner une chance à cette CET. Mais ça, c'est un grand problème. Et je voudrais dire ça en anglais pour qu'on peut traduire. Oui. Parce que c'est ça qu'on me dit. They've told me that Henry and his équipe has said that for these 9 members to be approved by him, that they have to do certain conditions that he's put in the monitor, that they change the language in the monitor. And in the monitor, it says that they need certain approvals by agencies or organizations in the government of Haiti that don't exist. So if
if what they put in the monitor is what is going to be followed, and it should not be, but what if what's in the monitor is going to be followed, then we will not even have a chance of this new Conseil de Transition. Merci. And listen to me, that somebody has got to tell Henri and his team that they have to go. Henri est encore, pour cet instant, Henri est toujours le premier ministre d'Haïti, jusqu'à aujourd'hui. Et quelqu'un doit dire, votre temps est fini. I've seen in my career that once a person has power, I've seen this in Africa over and over and over, to give it up is almost impossible. Madame, the lure of power is so bright and so strong that no one wants to give it up. And that's true of Henri. But the United States government has got to say, go. Ils ont dit ça une fois, il faut dire ça encore. Traduction. Merci beaucoup, madame. Oui, yo dim que Ariel Henri mettait dans le moniteur là, dans le décret qui est publié, à des conditions qui pas même exister, des conditions qui pas doivent exister. Ça y est, dans le moniteur, pas qu'à faire, il pas doit faire. Et d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique demandaient à Ariel Henry pour quitter le pouvoir. Ils ont demandé ça déjà, c'est pour demandé ça encore. Moins ouais que en Afrique, par exemple, il y a une situation côté l'homme dans son pouvoir tellement alléchant, pouvoir tellement douce, il pas voulu quitter le pouvoir. Mais il est pour Ariel Henry, faut qu'Ariel Henry aller parce que sinon il va prendre un paquet de temps pour faire bagage ça que Ariel Henry pas de demander dans décret que il mandé. Donc faut qu'Ariel Henry aller. OK? OK. Mm-hmm. Listen, I don't have much time left, so can I say like two or three things I want to make sure are heard? M'pa gen pile temps, mais gen deux trois bagay m'ta men di que m'vle fè certain que c'est ça m'détendé. Yes, allez-y, madame. OK, premièrement, we have to have humanitarian corridors with food and medicine and water. And those have to be established, in my opinion, by American boots on the ground. Premièrement, faut gen corridor humanitaire qui établi avec des troupes américaines souterraines en Haïti, dans opinion, c'est ça que vous faites. Second, I think that there has to be more concentration on arms trafficking. Arms are killing innocent Haitians. There is no reason why we can't improve the security, the policing of these horrific arms leaving the United States and entering Haiti. If we can't get a handle on that, we are not going to get a handle on the security situation. Deuxièmement, gen trop zam k'ap rentre en Haïti. Fok les États-Unis jwenn nou moyen pou interdire zam sa yo k'ap rentre en Haïti. Si nou pa ka jwenn nou façon pou nou interdire zam sa yo rentre en Haïti, pa gen aucune façon pou situation sécurité a améliorer en Haïti. And last, I want to say that I hope before I die that I can once again visit my beloved Jacmel and have a swim in the beautiful ocean there. Troisièmement, m'espérer que avant mourir, m'ap capable visiter belle Jacmel moyen pour m'capable bien dans la mer Jacmel avant mourir encore. Avant mourir. Encore, pas encore. Excusez-moi, avant mourir. Excusez-moi. Merci. Une dernière chose, madame, vous étiez en poste en Haïti entre 2012 et 2015. Et comme vous l'avez dit, vous avez fait des amis et vous êtes une amie sincère d'Haïti apparemment. Partagez avec nous vos propositions pour que Haïti sorte de ce pétrin, de ce bourbier, si vous préférez. Une proposition de sortie de crise, ce serait quoi? Oh, yeah, okay. Well,
Je crois qu'il faut commencer avec cette chose de humanitarian corridors, parce que ça, c'est l'urgence pour le moment. Pour le long terme, il faut, bien sûr, loin, 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 il faut des élections. Mais moi, je ne vois pas des élections avant 2 ans, au moins 2 ans, parce qu'il faut faire des autres choses. Il n'y a pas de gouvernement pour le moment en Haïti. Il faut commencer presque à point zéro. Et ça va prendre du temps. Et sûr et certain, il faut un gouvernement de transition. Si c'est avec 9 personnes, si c'est avec 7 personnes, c'est pas moi à dire. C'est pas moi à dire et je ne vais pas dire. C'est le peuple haïtien qui va décider c'est quoi. Mais il faut un gouvernement de transition. Mais ça le dit qui est important, on a tout campé là nous-mêmes. C'est le peuple haïtien qui a décidé. Alors nous décider et puis États-Unis style à supporter un groupe monde qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas d'accord ensemble avec elle. Et ça qui est plus grave, et ça qui, comme Sim Dadjo, qui mettait dans la confusion quelque part. En tout cas, moi, j'étais content ensemble avec nous. On a continué à mener bataille. On continue à suivre la plateforme YouTube Foubeto. Continuez à partager, continuez à like, continuez à dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Parce que cette plateforme pour là, c'est le droit qu'on gagne. C'est une obligation pour nous, boys, passe là, pour que vous capable de passer et justement revendication par là. Bon Dieu bénisse tout le monde, qui est la balague.